Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. Le petit monde d'Anthony. Avec le grand Anthony Ruiz. Le grand Anthony Ruiz. Hello guys. Bonjour. Hello. Bonjour les copains. Anthony Hello. Ruiz. On va commencer avec l'émission Mariée au premier regard. Émission dans laquelle, je vous le rappelle, les candidats sont à la recherche de l'amour. Ils sont soi-disant compatibles, hein, d'après la science, et se rencontrent pour la toute première fois au moment de se dire oui avec leur famille et leurs amis. Et je crois vraiment que Clémence se souviendra très longtemps de son expérience. Romain, désirez-vous vous marier avec Clémence? Non. L'horreur absolue. C'est assez rare pour le coup quand ils disent non. Après, le mec est très honnête. Enfin, elle ne lui plaît pas, c'est le jeu et c'est très ok. Mais je pense que c'est quand même très violent. Oui. Sinon, il y a Ludivine. Ludivine, elle est très très pépite. Elle et Raphaël se sont dit oui, mais l'entente n'est pas vraiment ouf. Raphaël n'arrive pas vraiment à s'accrocher à elle. Du coup, elle n'est pas contente, Lulu. S'il vibre pas, excusez-moi, mais pour une femme comme moi, je vois pas comment il pourrait vibrer. En fait, tout simplement, c'est à l'intérieur de lui. Je pense qu'il est éteint. Excuse-nous, Monica Bellucci. S'il ne vibre pas pour une femme comme moi, je ne vois pas avec qui il pourrait vibrer. Mais t'es qui, toi, en fait? Enfin, vraiment, c'est très important. Je comprends. Ça va pas fort, hein. Ça va pas fort du tout. Elle s'en prend un deuxième et un petit taquet. Un petit melon. Par-dessus. Enfin, une bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun à Paris. Oui, enfin, les RER ne seront plus en retard. Non, je déconne. En fait, il s'agit juste du pass Navigo qui est enfin. Ouais, je vous remercie. Et enfin disponible sur le téléphone portable. On dirait que c'est un truc de ouf alors que ça existe depuis 100 ans, hein, dans les autres pays. Mais bon, bref, passons. Du coup, Valérie Pécresse est allée elle-même tester ça. Ça marche. Eh oui, ça marche. Même elle est étonnée. Oui, parce qu'à Paris, c'est pas tout le temps le cas. Les nouvelles technologies et nous, ça fait 10. Voilà. Ouais, on n'est pas les meilleurs. Une nouvelle sortie signée Anne Hidalgo. Chaque déclaration n'a soit aucun sens, soit aucun sens. Voilà, au moins il n'y a pas de surprise. Démonstration. La police municipale de Paris est aussi formée pour lutter contre les LGBT. Donc il faut se battre pacifiquement. Voilà. Extraordinaire. Il y a un petit quand même. La police n'est pas formée pour lutter contre les LGBT, mais c'est le contraire du coup. Alors c'est peut-être la fatigue. Faudrait un petit voyage à Tahiti sur le dos du contribuable. Peut-être que ça lui ferait un petit peu de bien à nous. Après les JO, sait-on jamais. Bon. On termine avec la bonne idée du jour. Oui, on reste à la mairie de Paris. Vous savez, les gens qui possèdent des SUV doivent payer leur place de stationnement beaucoup plus cher que les autres. Enfin, pas pour tout le monde. Les personnes qui ne payent pas l'impôt sur le revenu ne paieront pas et ne s'acquitteront pas de ce tarif différencié. S'ils possèdent une voiture de plus de 2 tonnes lorsqu'elle est électrique ou plus de 1,6 tonnes lorsqu'elle est thermique, elles seront exemptées. Mais comment ils réfléchissent à la mairie, en fait? Non, j'aimerais comprendre. T'as une grosse voiture, mais tu payes pas d'impôt? C'est ok, t'es exempté. Non, stop, il est temps de dégager. Au revoir. Bravo Anthony, merci Anthony. Anthony Ruiz qui est sur RFM tous les matins à 7h15. Vous avez un petit replay aussi sur la page Facebook du Meilleur des Réveils en vidéo. Ou alors vous pouvez télécharger le podcast. Le Meilleur des Réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM.